Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Option Tuning Car Battle Spec Air. Enfin, je pense que c'est un truc. comment dire? J'ai l'impression que ça rallonge. Ils ont fait le titre le plus long du monde. Donc, un jeu de. Bah, de voiture, quoi. Un jeu de drift, un jeu de tuning. Tout en un. Sur la console de Sony PlayStation. Sorti en 2000 par MTO INC. Copyright Mitsu, je sais pas quoi. Alors, du coup. On a un mode arcade, un mode challenge, un mode record, configuration, on va voir les configurations. Y a pas de musique, c'est un petit peu bizarre. On sait qu'il y en aurait. Alors, on a le BGM, SE, la view. Donc, on peut regarder de voir des devants, vue d'oiseau, vue du pilote ou vue de l'arrière. On peut choisir d'afficher la carte, oui ou non. Les dommages sur les voitures, oui, je vais les activer, il y a des dommages, incroyable. Vibration, un joueur, deux joueurs. Et du coup, voici les key assignations. J'allais dire la console est super bien modélisée, enfin la manette est super bien modélisée, mais en fait c'est juste un modèle 2D. Donc là on a le side break apparemment avec le R2. On peut regarder derrière avec le donc, R2, side break avec L2, on peut baisser les vitesses, augmenter les vitesses avec L1 et R1, changer la vue avec triangle, regarder derrière avec rond, accélérer, freiner, et tourner avec la croix. Donc le jeu n'a pas l'air de gérer bah, plus que la croix, en tout cas j'ai pas l'impression. On va sortir. Je n'ai jamais joué à ce jeu, concrètement, donc j'espère que ça va être un jeu sympa. On va faire du coup, il y a mode challenge, mode record, on va faire mode arcade pour commencer. Alors il y a un mode course rapide 1 joueur, course rapide 2 joueurs et time attack. Et ce qui est marrant, c'est que le jeu est assez traduit, j'ai l'impression, pour un jeu qui est sorti, je crois qu'au Japon. Ça va être disponible, c'est parti. Donc du coup, on a plusieurs modes de voiture. On a les Work Tunes, Extra Tunes, Fuel Tune et Light Tune. Alors pour l'instant, il n'y a que ça qui est débloqué. On a groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Et on a des noms de code des voitures. Je pense pas qu'ils aient des licences des équipes, des constructeurs automobiles, pardon. Mais ils vont avoir du coup, ils vont utiliser le nom des modèles pour pouvoir quand même les afficher. On va voir un petit peu tout ce qui est disponible. Donc c'est parti avec le groupe 1. Alors déjà on a une marche G, non une Pulsar, pardon, une Pulsar. Ensuite on a une E86, vous aurez reconnu. Une NB8C. Alors ça c'est le code de la Mazda MX-5, voilà c'est ça. Le K9 c'est la 2000 je crois. Honda Civic 2000. DC2 c'est une Integra type R. Une AP1 qu'est-ce que ça pourrait être? Une Honda S2000. Et oui, on a des stats différents. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai l'impression que le jeu s'inspire beaucoup de l'interface de Gran Turismo 1 et 2. Enfin, pour beaucoup de choses, en tout cas. On va voir le groupe 2. Alors là, on a une MR2. On peut changer la couleur, d'ailleurs, vous allez voir après. PS13, on a une Silvia. Silvia S13, justement. Alors, RPS13, c'est une 200 SX, non, si je dis pas de bêtises. La S14, Silvia. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une Lexus, Lexus IS200. On a quoi d'autre? On a une. Ça, c'est une Lancer Evo 4. Ensuite, groupe 3. On a une Silvia S15 ici. On a quoi? Ça, c'est quoi les CP9? C'est des Mitsubishi Lancer. Alors là, par contre, c'est les versions. Je pense que c'est les versions 5, ça. Ouais, version 5 et version 6. On a Subaru Impreza. On a quoi d'autre? On a. Ah oui, c'est une Soarer GT, je sais plus comment ça. Le nom complet. Et là, une marque 5, ou marque 4, je pense, Toyota. Groupe 4, dernier groupe. Une Mazda RX-7. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on aura tous ces modèles, mais on les aura dans des versions après plus ou moins boostées. Donc on a. Ensuite, une Fair Lady. Nissan. La Supra, bien sûr. Décidément, il y a quand même pas mal de choix. On va pas se plaindre. On a la Nissan Skyline. Alors, ça, c'est la R32. On va avoir la R33, du coup. Quand même. Hein. Ça fait plaisir à beaucoup de gens, ça, quand même, d'avoir tout ça. Et on a même la 34. Exceptionnel. Alors, on va prendre. Je sais pas, par exemple, un groupe 3. On va prendre quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre, tiens? Après, ouais, j'aime pas une Subaru, mais.
On va prendre une... Allez, pour une fois, on va prendre celle-là. Donc je peux choisir la couleur, voilà. Les modèles ont l'air plutôt bien réussis. En tout cas, on les reconnaît bien. Oui, on veut démarrer. Et donc du coup, on a un choix de roues. Mais c'est sympa ça, regardez. On peut choisir le type de roues que l'on veut utiliser. Alors, du coup, page 2, page 3, page 4. Bon, je sais pas trop quoi prendre, on va prendre... Je pense que le jaune sur du blanc, ça doit bien aller. Ouais, me jugez pas sur le choix des jantes. On va prendre, ouais, prendre celle-là. T'as jamais été mon fort, hein, je vous l'avoue. De toute façon, ça reste une question de goût, hein, le tuning, comme d'habitude. Alors, on a donc du winding, highway, circuit. Oui, donc en fait, j'imagine que là, c'est des circuits donc pour, typiquement pour le drift. Donc c'est très court, avec des virages où on va faire que glisser. L'highway, donc l'autoroute, et les circuits. Et j'ai l'impression qu'on a que Mountain, Loop Road et Ibisu. On va commencer par le premier. Ah, on a plusieurs, on a Mountain. Mountain, SPL. Ouh, les circuits ont l'air quand même assez compliqués. Lakeside, Lakeside SPL. Où est-ce que c'est Lakeside SPL? Je sais pas ce que c'est. On a Montagne, Mountain SPL. On va prendre le tout premier. De toute façon, on va découvrir les autres après, je pense. J'aurais peut-être pas dû prendre le premier finalement. J'aurais peut-être dû prendre un circuit un peu plus avancé qu'on risque de ne pas refaire après. Alors, course avec c'est bon, time attack run. Bon, là c'est juste que du time attack donc il n'y aura personne autour de nous. Ce sera l'occasion de découvrir un petit peu les graphismes, le son et la maniabilité du jeu. Donc c'est quand même un jeu sorti en 2000, hein. C'est quand même, on est dans les. Alors on pourrait dire la fin de vie de la console, c'est un peu faux parce que la console elle est sortie, je crois qu'on a été vendue jusqu'en 2004, hein, le PS1, je dis pas de bêtises. Oula, ça fait penser extrêmement à du Initial D. Alors je sais pas si tous les sons ont été reproduits sur les voitures, on pourra comparer un petit peu après. Donc on a une vue de dessus, on a une vue intérieure avec un rétroviseur qui va peut-être nous aider en course. Ouah, j'essaie de la faire glisser un peu. Bon, au niveau d'interface, honnêtement, hein, si on regarde que le haut... Si on regarde que le haut... Oula, j'ai essayé de faire un dérapage, ça n'a pas passé du tout. Si on regarde que le haut, on a l'impression que c'est Gran Turismo. Hein. Et encore même aussi avec le circuit en bas. Il y a vraiment une bonne aspiration. Par contre, voilà la petite boîte de vitesse manuelle en bas qui est affichée, c'est plutôt bien fait. Allez, c'est parti. Je ne sais absolument pas ce que je suis censé faire. Pas un temps, évidemment, mais est-ce que c'est une course? Est-ce que je suis censé marquer des points? Est-ce que je suis censé miser à drifter tout le temps? Et voilà, quand on fait L2, on lance le frein à main. Ça fait glisser l'auto. Alors l'auto a l'air quand même assez, assez lourde. Enfin, je trouve, hein, au niveau du maniement. Par contre, c'est assez, assez fluide, honnêtement. Regardez, là, je tapote légèrement. Voilà, je peux vraiment la diriger de manière assez précise. Ça n'a rien à envier avec d'autres jeux un peu plus réalistes, qui sont censés être réalistes. Donc c'est plutôt pas mal. Un petit dérapage. Aïe, l'accélération, non, ça va se toucher. Et apparemment, il y a les dommages qui sont activés. Donc on verra après si on peut avoir des dégâts. Vue arrière, c'est rond. J'ai pas l'impression que ça marche. Si c'est ça, c'était R2. J'ai déjà fini mon tour. Donc là on est vraiment typique dans la route japonaise. Petit dérapage. Olé. Le son est plutôt bien fait. Je vais pas parler de la musique pour le moment, mais le son de la voiture est quand même bien réalisé. Alors seuls les connaisseurs pourront me dire si c'est vraiment les sons, vraiment le son de la marque 4, pardon, décidément. Bon, je glisse un peu, mais ça sert à rien, hein, j'ai pas beaucoup de vitesse. Alors je ne peux pas forcer la vitesse, j'ai l'impression. Si j'appuie sur R1 peut-être. Ah, je sais pas, ça n'a pas trop marché. Bon, ce que je vous propose, on va faire start, on va faire retire, et on va du coup se lancer en mode arcade directement contre d'autres voitures, on va un peu ce que ça donne. En tout cas, si vous avez joué à ce jeu, je peux vous dire que le maniement est plutôt correct, plutôt bien fait, plutôt souple, donc ça c'est cool. On n'est pas sur un jeu qui se veut simulation et en fait c'est de l'arcade pure avec ça tombe d'un coup à gauche, à droite, ça glisse n'importe comment. Là ça a l'air un peu plus posé.
Mais enfin, une course rapide à un joueur. Je sais pas si je pourrais choisir du coup mon véhicule. J'ai pas l'impression. Si, c'est bon. On sera bloqué pour le moment en light une, donc il va falloir se contenter de ça. Alors, le groupe 2, tiens, par exemple, on va prendre. Bon, là, une numéro 2, c'est parti. D'ailleurs, je pourrais vous raconter l'anecdote d'une MR2, enfin l'anecdote d'une amie de travail, dont je ne citerai pas le nom évidemment, qui a eu l'occasion d'avoir cette voiture. Elle aimait bien d'avoir cette voiture. Et elle l'a refilée à son copain à un moment suite à une séparation, on va dire. Et ce qui est drôle, c'est, enfin ce qui est drôle, oui et non, c'est que son copain en fait l'a hyper mal pris la séparation, du coup s'est amusé à se prendre un maximum de PV avec sa bagnole. Voilà. Voilà, voilà. Alors du coup, option park SPL, bah peu importe, en fait je connais pas le circuit, donc on va faire le premier. Alors, il est quand même un petit peu moins beau qu'un Gran Turismo, on va pas se le cacher, il est quand même un peu moins précis, vous voyez, c'est vraiment très très peu détaillé autour. Allez, on démarre, oh, beau départ j'ai l'impression. Bon, apparemment, il n'y a pas de système de points, hein, donc pour le moment, j'ai plutôt m'amuser à essayer de gagner la course. J'ai l'impression d'avoir pris une voiture qui est beaucoup plus rapide que les autres, hein, regardez. Les IA sont vraiment très loin. Voilà, donc les voitures sont bien rendues, le circuit en soi est pas moche, hein. Bon, gros freinage, olé. Mais j'ai l'impression que ça manque de résolution au niveau des textures. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais en vrai ça va, ça cache pas non plus 100% du jeu. C'est marrant, ce virage me faisait penser à l'envers au virage de Tsukuba. L'épingle à Tsukuba. Enfin, la deuxième épingle, parce qu'il y en a deux. Même trois épingles à Tsukuba, hier. Enfin, la dernière, en fait, avant d'arriver dans la longue ligne droite. Petit coup de frein à main. Alors, j'imagine que le jeu doit gérer un petit peu le fait d'avoir une traction, une propulsion, une 4 roues motrices, ça serait intéressant de voir s'il va y avoir une différence entre les véhicules. Bon, vous vous doutez qu'il n'y a pas de vue embarquée. On est sur Play 1, c'était très rare. Il fallait vraiment avoir des modèles uniques ou faire comme Codemaster à la limite avec un truc générique quasiment entre les voitures. Mais ça aurait, ils auraient très bien pu faire ça. Ça aurait été très immersif, je pense. On a déjà fait un tour? Ah non, non, on n'est pas encore au tour. Si, on a déjà fait un tour. Juste que je suis premier sur 4 en fait. Partir en glisse. Ouais, en vrai, il y a quand même du fun à conduire. Le jeu est très bon là-dessus. Enfin, il est pas mal. Plutôt réussi. Après, parce que j'ai pris un modèle qui est assez facile à conduire. Hein. Peut-être qu'après d'autres voitures, c'est beaucoup plus difficile. Je sais pas trop. J'ai freiné, je pouvais pas me gourer. Bon, les IA ont l'air aux fraises, hein. Enfin, en tout cas, pour cette course rapide, j'ai l'impression que la MR2 elle en met avant. Y'a que deux tours à faire, j'ai l'impression, si je me réfère au temps. Peut-être trois, on verra bien. Alors, vous avez vu là, quand j'appuie sur R1, sur L1, j'ai ça qui se passe. Je sais pas quoi ça sert. Je pensais que c'était pour faire tomber la vitesse. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Bon, on a gagné, on a un replay, on va quand même regarder le replay, voir s'il est bien fait. Alors l'effet de tremblement de la voiture, c'était typique, pratiquement typique à la Play 1. Je crois qu'il n'y avait pas de Z, axe Z, je ne sais pas comment expliquer, mais en gros... comment expliquer ça? Le fait que graphiquement, elle gérait en fait les profondeurs de texture, dans un mode qui est totalement pas bon en fait, enfin qui est plus à jour, ça crée des effets de textures mouvantes en fait, voilà. Et même à l'arrêt, des fois, si le véhicule bouge un peu, eh bien, on peut voir que les textures en fait vont monter, baisser, monter, baisser. Et sur certains jeux, c'est vraiment prononcé. Et là, c'est assez le cas aussi. Bon, il y a pire, hein, y a des jeux de PlayStation, c'est pire. Notamment si vous avez suivi le joueur du grenier à l'époque, dans le jeu Virus, à peine y déplacer la caméra, les textures autour bougeaient, se mouvaient. Et c'était un défaut de la Play 1. La Saturn avait un petit peu moins de ce problème-là, parce qu'elle utilisait un système en triangle, qui réduisait un peu ce problème-là, mais c'était quand même pas ouf.
Et d'ailleurs, dans les émulateurs PlayStation, maintenant, il y a moyen de corriger du coup ce bug, et ça rend les jeux beaucoup plus. Ben, ça évite ce problème dans les jeux. On va revenir en arrière, je propose de faire directement le mode challenge. Alors, attention, j'aime bien le attention à chaque fois. Oh, me tentez pas avec des RX7, hein, sans déconner. Ouais, peut-être R32, ça peut être pas mal. Mais regardez, la Mazda, elle a toutes les stats à fond, quoi. Ça donne plus envie de prendre la Mazda. Ah, j'ai pas envie de R32. On va changer la couleur. Moi, j'aime bien en blanc. Ça va bien en blanc. Ouais, en fait c'est pour dire je choisis les gommes ou pas en fait, hein, le fait de faire oui j'ai l'impression. Alors j'ai pas traduit du jeu honnêtement, pas comme la vidéo d'avant. Alors change BNR32, je sais pas ce que je dois faire. Ouais, ok. Ouh, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Alors on a un mode battle, un mode tuning, un mode results. Mink avec les étoiles, ça nous montre peut-être qu'on a réussi ou pas. Ah ouais! Ah ouais les gens, ok d'accord. Donc en gros. Comment vous expliquer ça? J'ai l'impression que pour chaque bagnole, il va falloir réussir les défis. Oh là, le jeu a l'air hyper long. Rien que de penser à me dire qu'il faut prendre toutes les bagnoles et faire à chaque fois tout, ça va prendre un sacré bout de temps. Oh le tuning, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire en tuning? C'est censé s'appeler option Tuning Car Battle Spec Air, donc logiquement c'est censé proposer des choses intéressantes. Alors bye, qu'est-ce qu'on a en tuning? Alors c'est un petit peu long la transition entre les menus. Ok, on a du sponsoring, vous l'aurez compris. On a du. Je sais plus ce que c'est, mais. Bref. Je crois que c'est le truc de Mazda, ça. Mines. Ça c'est le truc de Honda. Top Fuel, je les connais pas. Alors vous êtes sûrement les connaître si vous êtes passionné. Je n'ai aucune idée. On va prendre Esprit par exemple. Qu'est-ce qu'il nous propose Esprit? Ok. Ok les gars, on y est. On y est. Alors j'ai 50 coupons, j'imagine que c'est la monnaie. Je peux améliorer le muffler, l'engine, les pneus. Je ne sais même pas par quoi commencer, honnêtement. Ah, ça coûte que 5. Ok, et là-dedans, je peux choisir le. Je peux choisir en fait la marque, j'ai l'impression. Pour le stage 1. Si je prends le stage 3 directement, ça me coûte 10 CP. Peu importe, on va prendre un HKS, voilà. Yes, on va l'équiper. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cooling. Oh, le refroidissement! C'est-à-dire qu'on peut refroidir la caisse? Non, c'est une blague. Ok, on peut choisir le radiateur, l'œil couleur, l'intercooler. Ça coûte 9 CP. Alors je ne sais pas quel effet ça va avoir. On va pas en mettre pour l'instant. Tiens, la suspension, stage 1, ça coûte combien? J'ai envie de mettre du stage 2 dès le début. Ah, 14 CP quand même. On va rester chez HK. Ah non, on va faire un petit peu plaisir à nos collègues d'Apex Points. On va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a dans l'électronique? Ben ça c'est le computer, fuel boost. En vrai, la moitié des trucs, je ne sais pas quoi ça va nous servir. On va prendre le boost. Allez, j'aimerais savoir ce que ça donne. Fuel, je sais pas ce que c'est. On a quoi d'autre? Inextune. Donc les freins, bien sûr, les pneus. Et là, on a des gommes. On va quand même prendre des gommes, je pense. Pour un peu de grip. Voilà, j'en prends des deuxième niveau. Moteur, engine, powertrain, qu'est-ce qu'on a? L'embrayage. Un embrayage chez HKS, on va le prendre. Yes. Et il nous reste 5 coupons. Par contre, j'ai rien vu pour modifier l'apparence de l'auto. Hein. Rien vu du tout.
Calling. Ah non, il n'y a rien qui correspond. Shop tune. Je vais pas aller dessus. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait voir un petit peu? Moteur, il y a quoi? Head block. 9, ça coûte trop cher. Les blocs, ça coûte super cher. Air cleaner. On a blow off. Intake. On va prendre l'air cleaner et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. De toute façon, on a peu de coupons. Donc, on va sortir de là. Alors, c'est énorme. Il y a énormément de choses à acheter. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est au-delà d'un Gran Turismo en termes de tuning. En tout cas, pour le. En tout cas, pour le tuning. Comment dire, de performance. Alors, buy, put on. Put on, je pense que c'est. On peut choisir les éléments, les enlever, les retirer. Je me dis que ça va être ça. Ouais, c'est ça. Ok, donc je reviens en arrière. Par contre, le boom, à chaque fois, il est assez immonde. On peut faire un test run. Non, on va pas faire un test run, on va commencer directement le challenge. Ça, au moins, on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti! Tu ne sais absolument pas contre qui on va se battre. Ah, il y a carrément des vrais gens. Alors, ok, il y a carrément des vrais gens. Alors, c'est sûrement des personnes connues. Bon, ok, et apparemment, il y a une personne derrière les trois. Donc, je pense que si on bat les quatre, on peut battre la cinquième personne. Et ben, on va commencer par essayer de combattre lui. Bah, de combattre. De se mesurer à lui et de faire mieux que lui. Ouais, donc effectivement, en plus, on a la même... Ah non, lui, il a 1h33. Oh, le départ. Oh, le départ. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que... Voilà, il y a les... On voit les petites fumées quand les pneus commencent à glisser. Alors, par contre, l'IA, je suis désolé, mais... Soit j'ai déjà trop tuné. C'est possible. Soit je sais pas, mais je lui mets avant. Alors peut-être que la difficulté va augmenter après, je sais pas trop. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait un problème d'IA sur F1 Racing je crois, sur PC. L'IA était totalement dans les choux. Mais là, comme je vois qu'elle suit le tracé, je me dis que bon, ça doit pas venir de là. C'est peut-être le jeu qui est facile au début. Donc on va faire les deux tours. On sent qu'elle galère quand même à monter. Alors je le force à passer en troisième. Là je la refais monter en deuxième. Ouais, c'est pas mal, je peux quand même forcer à la vitesse finalement. Je pense qu'il va falloir jouer un peu de ça quand même, hein, de monter, de baisser les rapports. Enfin, en tout cas de se mettre en manuel, je pense que ça doit être assez utile dans le jeu. Là je l'ai forcé, hein. Oui, je l'ai forcé la vitesse. J'aurais bien voulu savoir à quoi sert quand même l'intercooler, parce que le refroidisseur, bon, c'est un intérêt dans la vraie vie, mais est-ce que dans le jeu, c'est interprété par exemple, de mettre un intercooler ou pas? Est-ce que par exemple on peut avoir le moteur qui chauffe? Est-ce que... je sais pas. Je vais mettre la première, c'est génial. Comme la seconde. Là on est bloqué en seconde. Si je la force, on monte pas plus. Si je repasse en seconde, ça monte d'un coup. Ouais. Bon, on a gagné. C'était extrêmement facile ce premier. On va faire sortir. Je pense qu'on va gagner des crédits. Enfin, en tout cas des coupons. Yay! You gain 20 coupons! Et j'ai une petite étoile qui s'est rajoutée. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer un peu ce que ça fait après, le fait par exemple de faire une battle contre les autres.
Typiquement, là, si on gagne 5 fois la course, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va débloquer un nouveau truc? Ah! Excellent! Il s'est carrément mis de dos! C'est la honte sur sa famille! Je t'ai déshonoré! Alors là, lui, il a une 34-33, c'est quoi une FDS? Ah, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que lui. Oh, ils ont tous la même valeur en fait. Oh, lui, ça va être un pilote, lui. Puis il a l'air content. Je me dis, on va essayer de le battre. Bon, on va en faire un deuxième. Et après, ce qu'on va peut-être faire, c'est pour un autre véhicule pour voir un peu la différence. Voir si c'est plus dur ou pas. Alors, cette fois-ci, on est sur un circuit. Oh, j'ai mis l'accélération que je peux. Ah, ouais, non, mais. Eh, il va falloir avancer, mon gars. Il va falloir avancer. Ou alors j'ai peut-être pris un véhicule qui était trop rapide dès le début. Hein. Mais je dis ça, mais bon, eux aussi ont des véhicules très. Oh, attendez, il y a des. Mais attendez. What? Il y a des voitures? Mais excellent, il y a du trafic! Il y a du trafic! Ah, c'est génial ça! Oula, alors attendez, parce que là je connais pas le circuit. Ok, donc il y a du trafic! Excellent! Et même autour de flics, j'ai l'impression. Oula, j'ai tapé. Tout devant moi. Alors c'est vrai que. Il y a des dégâts normalement. Il y a des dégâts dans le jeu. Pour l'instant, je les ai pas trop vus, alors c'est qu'on s'est pas trop pris de mur ni rien. Ouais, taxi de Tokyo et tout. Voilà, on va faire gaffe peut-être ici. Alors mine de rien, on n'est pas si rapide que ça. Regardez, on est à 150 km/h. Bon, c'est rapide pour de la ville, on est d'accord. Enfin, en tout cas de ce genre de voie, mais je trouve qu'on l'accélère pas spécialement beaucoup. Je rappelle qu'on a quand même 1h32. Peut-être changer de vue. Alors j'ai l'impression que c'est un peu réveillé, parce que sur le circuit, regardez, il est pas si loin. Oula, là j'ai tapé. Non, pas de dommage à l'horizon. Oh, j'ai mis le frein à main. Ok, donc déjà on saura que quand on est en ville, on peut avoir des véhicules autour de nous, enfin des gens lambda. En plus, il y aura pas mal de types de voitures différents, de par exemple un camion. Oh, le tête à queue! Et le tête à queue, on va faire un 360! Incroyable! Et du coup, il va m'attraper, je pense. Il va m'attraper vite. On est derrière quand même. Non, il est toujours pas là. Bon, je pense que la difficulté va augmenter au fur et à mesure du jeu, hein. Ça me semblerait étonnant que du début jusqu'à la fin du jeu, ce soit ce niveau de difficulté, parce que là, il n'y a aucun challenge, hein, sinon. Il est en train de revenir, il est en train de revenir, il est là. Bon, je vois que le coup de frein à main dans le virage, c'était pas la bonne option. Regarde, il y a carrément un bus qui va me gêner. J'ai voulu faire un petit drift, je me dis bon, c'est peut-être pas le moment. Finish! Bon, on a gagné largement, encore une fois. On va mettre le replay, on va faire sortie. Donc, on a battu le quatrième. Et j'ai encore gagné des coupons qui permettent d'augmenter ma puissance. Mais je veux dire, à ce niveau-là d'augmentation de puissance, j'en mets déjà un avant. Est-ce que par exemple le dernier là, celui qui est derrière qui est masqué, est-ce que pour le battre il va falloir que j'augmente vraiment ma puissance ou est-ce qu'il va falloir que oh il est dégoûté est-ce qu'il va falloir est-ce que je pourrais le battre en fait sans rien changer parce que là j'ai fait quelques améliorations sur la voiture mais je pense que même si je n'en avais pas fait j'aurais été quand même largement devant donc c'est un petit peu dommage. Par contre, je me rends compte que ici, on a 5 personnes à battre. Je vous remets en arrière justement pour vous montrer. Mais il y a aussi
En dessous, il y a des résultats, il y a 5 autres. 5 autres résultats. Donc est-ce que ça veut dire que une fois débloqué le cinquième, il y a encore un autre mode derrière? Ça, je sais pas du tout. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est changer la voiture, à la limite. Histoire de tester un petit peu autre chose, voilà, parce que quand même il y a une masse énorme de véhicules, ça pourrait être sympa d'en tester d'autres. Des véhicules peut-être un peu plus lents, on va voir ce que ça peut donner. J'étais quand même dans le groupe 4 dès le début. Alors, bon. Voilà, celles-là, elles ont l'air beaucoup plus lentes. Qu'est-ce qu'on a dans une S2000? En vrai, j'ai quand même envie de lancer celle-là. On va la prendre. Attendez, non, c'est pas une pulsar, ça. Je dis c'est une pulsar, mais c'est pas une pulsar. C'est pas une Starlet Ganza. Non, c'est plus une Starlet Ganza, là, la Toyota. Ça doit être ça. Bon, légende, on laisse comme ça. J'ai des coupons. Alors, est-ce que les coupons, c'est que par rapport à la voiture ou est-ce que c'est général? Est-ce que j'ai par exemple conservé les coupons que j'avais tout à l'heure ou est-ce que je vais repartir là par exemple avec 20 coupons? Eh ben non, je vais les garder. Bah écoutez, c'est bon, on allait faire du tuning pour augmenter un peu les performances parce que là, je pense qu'on a vraiment le véhicule le plus lent quasiment du jeu. On va quand même essayer d'augmenter un peu ça. On peut changer les settings? Attendez, je vais vérifier. Qu'est-ce qu'on peut améliorer, changer dans les réglages? Spring stabilizer dans une force. Ah mais je ne peux rien changer parce que, bah, comme Gran Turismo, en fait, si vous avez pas les, si vous avez pas acheté les, par exemple les ailerons, vous ne pouvez pas régler les ailerons puisque vous n'en avez pas acheté. Donc là, par exemple, si je veux pouvoir modifier l'aéro, il faut sûrement que je puisse acheter, j'achète des choses pour l'aéro et pareil pour la boîte de vitesse, etc. Bon, on va aller ici. Enfin, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai pas trop compris l'idée d'aller dans un fournisseur plus ou moins différent, parce que finalement à la fin on a les mêmes choix. Donc, je comprends pas trop le délire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai envie de mettre un muffler stage 3, hein, je suis désolé, hein, probablement, histoire d'augmenter un peu la puissance. Les gommes. On va prendre des gommes niveau 1. Voilà. On va prendre. Alors les freins ça va pas servir à grand chose pour le moment. Je vais prendre des suspensions en stage 1, pour un peu la même chose en fait, hein, pour l'avoir un peu plus facile à manier. Électronique, on va mettre un computer. Le goût, je sais pas à quoi ça sert. Il me reste 4 coupons. Est-ce que je vais pouvoir acheter quelque chose avec ça? Non, radiateur ça va pas passer. Suspension on l'a pris, les freins. Bah si, on a des freins, regardez, on va pouvoir freiner. Ah, il me reste plus que deux, mince. Disque rotaire, ah, ok. On va se contenter de ça, hein, je pense que ça devrait aller. Même si peut-être qu'il y a beaucoup d'écart avec les autres. On va revenir en arrière. Bon, en tout cas, pour le moment, hein, ça fait déjà 34 minutes de vidéo. Je vous dis que je trouve que le jeu est quand même plutôt réussi. Vraiment. J'attends d'avoir un peu de challenge quand même au fur et à mesure. Peut-être que là, on va l'avoir, hein, du coup. Ça va être parfait. Ah non, je me suis trompé. Mince. Je crois que je suis gouré. Ouais, c'est retour à rien. Parce qu'en fait, en bas, il y avait aussi la possibilité de faire battle directement, sans forcément revenir au menu. Alors, ce que je trouve quand même assez sympa avec ce jeu, et c'est pour ça qu'à la limite, je pourrais vous le conseiller aussi, c'est que le jeu, bah, il a beau être sorti au Japon. Bah, on comprend tout, enfin, si vous connaissez un minimum d'anglais, vous allez pouvoir jouer à ce jeu sans trop de problème. J'ai même pas utilisé de traducteur là, vraiment. Alors là, ils sont que 3. Bon, l'avantage c'est qu'on va pas, on va pas jouer contre des gros véhicules, donc ça devrait, je pense, potentiellement bien se passer. Et on va peut-être aller jusqu'au bout là pour voir ce que ça donne de battre les 3. Un très bon départ. Bon. Oula, la Civic, elle va falloir se réveiller. Bon, là, effectivement, en termes de kilométrique, de kilomètre-heure, ça avance pas très vite. Oh, attendez, regardez, quand je vais sur la ligne blanche. Ah, quand on franchit la ligne blanche, il y a un petit bruit. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas au Japon? Alors, j'en ai aucune idée. Hein. Ça, c'est vraiment une question, je sais pas du tout.
Est-ce qu'au Japon, quand on franchit la ligne centrale, il y a un petit bruit qui se déclenche, enfin qui se déclenche sur la gomme, sur le pneu. Parce que ça m'étonnerait pas qu'au Japon ils aient prévu ça à l'avance à l'époque pour bah justement pour éviter que quand tu t'endormes, tu te retrouves à changer ligne. Comme tu dors au volant, ouais. On va prendre le principe de quelqu'un qui a trop fait la fête et qui s'endort, bah peut-être qu'il aura, grâce à ça, il va pouvoir se réveiller au moment de se retrouver en sens inverse. Alors finalement, ce jeu n'a pas l'air tant que ça être un jeu de drift. En tout cas, je n'en ressens pas l'impression en jouant, parce que bon, certes, on peut faire du frein à main, on peut faire glisser la voiture. Et ça apporte pas, en tout cas pour le moment, ça apporte pas grand chose. Vraiment pas grand chose. Alors, je vais vous montrer les options. Ah non, je les ai pas ici. J'aurais bien voulu baisser un peu le son de la musique pour faire écouter le son de la voiture qui est quand même assez faiblard en ce sens-là. Ce qui me semble assez logique aussi. Petit frein à main. Ce que je vous propose, c'est que je vais me taire et on va finir la course tranquillement. Histoire qu'on écoute un petit peu la musique. Bon, bah, pas trop de difficultés encore une fois, bon c'est le début. Allez, on va faire exit. Je pense qu'on n'aura même pas besoin de l'améliorer finalement pour le moment. Allez, on va faire battle direct. On va essayer de se faire au moins avec cette voiture les trois. Peut-être qu'en battant, on va pouvoir débloquer après les modèles niveau 2. Et ouais, c'est marrant ça. Donc lui on l'a battu, on va passer à lui. Alors c'est toujours le même personnage, hein, je pense qu'on en rendait compte. Là c'est n'y en avait que 3, mais bon, là quand il y en avait 4 ou 5, c'était pareil. C'est toujours les mêmes persos. Je me demande si c'est pas les développeurs du jeu d'ailleurs. Allez, c'est parti. Alors j'allais faire allumer, mais j'ai pas l'impression que le jeu gère vraiment... Ah si quand même, ça a l'air un petit peu plus éclairé autour. Par contre si je tourne là... Est-ce que ça s'arrête d'éclairer sur le côté? Je sais pas trop. On va faire un pari un petit peu sur le futur. Je pense sincèrement que quand on aura battu tous les persos, on va débloquer normalement le mode tuning un peu plus avancé de la voiture en question. Je
pense que c'est ce qui va se passer. J'essaie de deviner un peu à l'avance hein, ce qui pourrait être débloquable. Mais en tout cas, ça veut dire que vous imaginez le nombre de bagnoles qu'il y a, le nombre de gars à battre, le nombre de niveaux à atteindre. Vous avez pour un peu de temps quand même. Hein. Vous avez pour un peu de temps. Et franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Alors, je vous dirais bien que ça pourrait faire l'objet d'un truc en live. Ou finir le jeu entier, hein, pourquoi pas. À voir si c'est pas lassant quand même au bout d'un moment. Parce que. Bon. Certes, le jeu est plutôt réaliste, plutôt bien fait, etc. Mais si on doit faire ça sur tous les véhicules, je pense être assez redondant. Mais ma foi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Peut-être qu'un jour on y pensera et on fera ça. Alors j'ai pas vu les dégâts. Hein. Alors pour être franc, je les ai vus en testant le jeu juste avant pour voir si tout marchait bien. Je me suis pris par exemple un tête à queue comme tout à l'heure, là vous l'avez vu avec le frein à main, j'ai tapé le mur et j'avais le phare arrière qui était pété. Voilà, sur une Honda S2000. Donc les dégâts existent vraiment, mais j'imagine qu'ils n'ont aucune influence après sur la voiture. Wouah, le coup de patin! Et ben voilà, boum! Bon là, par contre, ça n'a rien fait sur la voiture. Et il est revenu, il est là. Et on va finir la course. Et on va pouvoir s'attaquer au grand méchant derrière. Finish! On est déjà à 44 minutes de vidéo, ça passe vite. Au moins on a gagné 30 coupons. Allez, à nous deux, le plus... Bah, je pense que le boss final, quoi. Ouh, qu'il a l'air méchant. Alors, c'est Nomu. Ah oui, d'accord, ok. Donc, sur une S15. Et... Ah, par contre, si je perds 10. Vous savez que j'ai oublié de penser à ça. Bon, on va faire un peu de shopping. Parce que là, je pense que la... Je pense que la Stalganza, elle va mourir là. Elle va mourir. Donc on va améliorer un peu la puissance. Ah non, contre une S15, je veux bien, mais... On va quand même le rehausser. Heureusement que j'ai un peu d'argent. Bon, peu importe en fait. Ah, c'est bien sur Start, je peux avoir l'introduction du shop. Ok, donc sûrement une présentation. Bon, allez, motard. Je vais prendre une turbine. Stage 3. Non, papa, stage 1, c'est combien? 15. Stage 2, je peux? Non, je peux pas. Je vais faire qu'une. Je vais arriver que en stage 1, décidément. Engine, j'ai pris quoi? Bloc, est-ce que j'en ai pris? 28 CP, un bloc. Bloc de piston. Muffler, on avait pris stage 3 déjà. Ouais, c'est bon. Powertrain, clutch, on en a un, flywheel volant course, on va en prendre un, bien sûr. Là j'ai pas. Électronique. On va prendre un boost. Hein. Voilà. Les gommes, je les ai prises déjà, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bon. On va prendre un air cleaner. On va prendre ça aussi. On va prendre l'intake 10 de chez Blitz. Yes. Enfin, j'aurais peut-être dû prendre aussi des gommes, mais bon, c'est pas grave.
Suspension, je les ai prises, hein, on est d'accord. Ouais, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous manque? Bah les freins. Pad, os. On va se mettre des freins. Électronique, on avait tout pris. Fuel, c'est quoi? On va le prendre, allez, c'est parti. Bon, est-ce que j'ai vu trop gros ou trop petit? On va vite le savoir. Voilà, on peut aller dans Battle directement. Je l'avais bien vu tout à l'heure. C'est parti. Alors c'est marrant parce que si je gagne, je gagne 50, j'en perds 10, mais je suis à 3, donc je vais être à moins quelque chose. Ou alors de la mettre à 0, je sais pas. Ok. Écoutez le bruit. Le bruit du turbo. Oh là là là. Ouh là là. Ça part très mal, bon ça va. Bon. L'accélération c'était compliqué. Ouais c'est bon, on a réussi à passer au premier virage. Bon après c'est une Sylvia, hein. C'est pas non plus une RX-7 derrière ou une Supra ou ce que vous voulez. Ça quand même... C'est pas non plus voilà une voiture... la voiture la plus rapide du monde à battre. Ah ça se passe bien, ça se passe bien. C'est bon, j'ai pris ce qu'il fallait en termes de puissance. Par contre je pense que je n'aurais rien pris. Voilà, par contre j'aurais galéré. Alors j'imagine que quand le jeu on aura débloqué dans le jeu on aura débloqué les voitures les plus rapides, ça va pas être la même. Je pense que au niveau des drifts, au niveau de la temps de réaction, il va falloir être très très vif. En tout cas le fait d'avoir trois types de circuits quand même, c'est assez sympa. Le fait d'avoir des circuits en ville, le circuit tracé normaux, etc. C'est bien de le proposer quoi, ça laisse un maximum de choix. Alors je sais pas s'il y aura beaucoup de tracés quand même dans le jeu. Est-ce qu'on a déjà débloqué tous les tracés dès le début et finalement on n'aura que ça. Ça serait un petit peu short par contre en termes de circuit, je vous avoue. Ouais, 4 secondes, c'est le temps normal. Alors pour couronner le tout, je trouve que la musique est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, ça là, je l'aime bien. Au début, on a lancé du Crash Bandicoot, puis finalement, c'est parti sur autre chose. Et puis, ça rend bien. Allez, on va faire sortie. On va voir ce qui se passe, du coup. Bah, maintenant qu'on a battu le mini-boss. Yeah, congratulations. All stage clear. Alors, j'ai fait la moitié du stage. Ça veut dire qu'on va peut-être débloquer les trois autres modes en dessous. L'avantage, c'est que j'ai gagné plein de coupons. Ouais, 50, c'est pas mal, hein. S'amuser. Par contre, du coup, est-ce que je débloque 3 étoiles en dessous et je peux passer au niveau sup? On va voir un petit peu. On va faire battle. Est-ce que je passe du coup à la deuxième partie? Donc là, on va passer contre une E86 et une Mazda RX-7 qui a l'air un peu plus tunée. Alors, on va vérifier quand même quelque chose, je vais revenir en arrière. Est-ce que maintenant, j'ai par exemple débloqué le véhicule dans un mode... dans un mode un peu plus élevé? Voilà, comme ça on aura la réponse à notre question. Si je fais par exemple arcade, est-ce que maintenant j'ai le droit d'accéder à un deuxième niveau? Bon, peu importe, time attack. Attention, mystère. Eh non, je n'ai rien débloqué. Oh la tristesse! Ouais, donc je pense qu'il va falloir vraiment tout battre. Bon, ce jeu a l'air quand même particulièrement long.
Mais plutôt intéressant, on va pas se le cacher quand même. Hein. Si je fais Quick and Player Race. Ouais, non, j'ai vraiment rien. Il faut réussir en challenge apparemment tout ça pour débloquer tout le reste. Bon, dans tous les cas, bon, je pas, on va s'arrêter là pour le moment. Hein, ça fait quand même pas mal 50 minutes. Donc vous aurez compris que le jeu, bah, il m'a l'air ma foi fort bien. Je vais peut-être même aller un peu plus loin dans ce jeu, pourquoi pas en live ou dans une autre configuration. Ça pourrait être marrant. À voir, à voir. En tout cas, je vous le conseille. C'était donc Option Tuning Car Battle Spec Air. Conservation japonaise, je pense pas qu'il soit sorti hors Japon. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!